Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui Evil Saga de chez Focus on Creation, le Chevalier du Gémeaux en version diabolique. On a déjà eu une première version du Gémeaux chez Focus on Creation. Je vous ai déjà fait la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller la voir juste là, au dessus. Et lors de la conclusion de cette vidéo, je vous exposerai eh bien justement Evil Saga à côté et eh bien de Saga. Tout simplement. Comme d'habitude, je tiens à vous informer que la vidéo n'est pas une mise en avant du fabricant, mais un unboxing d'un achat que j'ai fait personnellement. On est parti, le visuel de la boîte, très petite boîte. Vous pouvez constater que par rapport aux boîtes habituelles, elle est très petite. Ça va s'expliquer assez simplement pour le simple fait qu'il y a moins d'éléments que les statues précédentes. On va dire que c'est plus une version add-on au premier chevalier du Gémeaux qui est déjà sorti, donc un complément diabolique plutôt qu'une statue complète. En elle-même. Le visuel on reprend le même visuel habituel l'horloge zodiacale, la Pandora Box. Ils ont rajouté le petit visuel d'Evil Saga juste là par devant. Une boîte étoilée, rien sur l'arrière. Et puis on revient toujours sur la même chose. Au-dessus, on retrouve Focus on Creation avec leur petit logo en or. Et ce qui nous intéresse, c'est comme d'habitude, c'est qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Vous ferez attention sur ce packaging lorsque vous recevrez votre statut. Il y a une partie en dessous, donc il y a la petite partie polystyrène qui est là qui s'enlève dans lequel il y a le socle. Et puis vous avez eh bien, le sarcophage ici au-dessus, sur lequel se trouvent les autres éléments. Donc faites gaffe que le scotch ne lâche pas et que vous perdiez votre base sur le sol, ce serait plutôt embêtant. Le contenu du coup, il est quand même assez simple, la cape, la tête, le corps, les bras, les épaulettes, épaulières et la petite plaque numérotée. Je ne vois pas spécialement de petits socles cette fois-ci. Si j'ai dit une bêtise, il est là pour exposer la plaque, mais je vous fais découvrir tout ça juste après. Je sors les éléments, je place tout et on est parti pour le montage. On est parti les amis pour le montage et comme d'habitude on commence et eh bien par la base. La base reprend et eh bien l'intérieur de la salle du grand pop, carpette rouge, des parties de piliers cassés et puis les dalles. Alors sur le socle, moi personnellement, je suis pas ultra fan de l'effet rouge voulu et eh bien sur les dalles, ils auraient dû les laisser gris l'espèce de reflet qu'ils ont voulu faire de la carpette sur le carrelage. Pour moi, ne matche pas. C'est pas la première fois qu'ils font cette espèce d'effet rouge. Ils l'ont fait également sur le poisson. Je me souviens où ils ont voulu simplement faire le reflet des fleurs sur les piliers. Je suis pas. Ultra méga giga fan, même chose là-dessus sur les piliers. Il y a, il y a également un broche rouge appliqué. C'est pas mon truc. Un truc un petit peu bizarre, c'est que là sur le côté, eh bien il y a une petite fente qui sert strictement à rien parce qu'il n'y a aucun emboîtement. Mais j'ai une petite fente là sur le côté. Est-ce que j'ai la même de l'autre Non, j'ai vraiment que de ce côté-là une petite fente dans le socle. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a le logo, comme d'habitude Saga en or par devant, et sur le dessous on retrouve les deux visages, eh bien de Saga Machiavélique et Regular sein Saga et la petite étiquette. Anti-contrefaçon, on s'est compris, de focus avec les quatre autres patins dessus. Alors au niveau de la statue, j'ai vu que des retours positifs sur les groupes des personnes qui étaient ultra contents de leur réception. Euh, j'ai vu par contre des socles vraiment catastrophiques et même sur le mien, j'ai pas mal de débordements sur les lignes d'or qui ont été appliquées, appliquées à l'intérieur. Le pire que j'ai pu voir, c'est celui de Mike Tigra, de mon ami, j'ai vu ce boxing et est très hors de son socle sur la carpette. On a l'impression que ça a été peint au rouleau. Il faut savoir que cette statue n'a pas été réalisée dans les usines habituelles de Focus on Creation. Alors l'usine qui a produit cette cette statue est l'usine d'un grand fabricant et de vous à moi je retrouve pas la qualité justement de ce fabricant sur cette réalisation de saga c'est terminé foc n'utilisera plus jamais cette usine ils vont se concentrer uniquement sur la leur quitte à sortir les statues plus tard au rythme où ils vont maintenant je pense qu'ils n'ont pas besoin de dispatcher les statues vers d'autres usines ils ont essayé à leur dépens c'est vrai que dans l'ensemble, c'est une belle statue, mais moi, je vais pointer quand même certains trucs qui m'ont quand même dérangé par rapport à ce que j'ai connu sur les autres Focus on Creation. Donc, les petites lignes ça a débordé pratiquement chez tout le monde, moi un petit peu, je vois un petit peu de gold qui dépasse, forcément moi je vais la retaper, je vais refaire un truc super propre, qu'on ne voit plus ces lignes là, mais j'en ai vu certains où c'est vraiment 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 pas joli quoi. Vous me direz vous dans les commentaires si votre base aussi a débordé au niveau du gold, il n'y avait rien à faire le trait, et puis repasser un coup de rouge par dessus, afin d'effacer tout cela. Alors, on continue, le corps, alors ben là même chose, au niveau de la peinture, c'est propre, pas grand chose à dire, c'est gold, c'est orangé, mais il manque quand même un gros, gros, gros travail d'ombrage. Oui, les petites lignes noires sont appliquées, mais par exemple, ici sur toute la ligne, je n'en ai pas. J'ai une ligne noire qui vient ici devant, mais elle est moins prononcée que ce qu'on a connu dans le passé chez Foc. Le petit truc que j'ai également à reprocher, c'est au niveau de ma petite jupette, et j'ai vu énormément de réceptions également, et vous avez pratiquement tous, mais vous êtes peut-être certainement moins critiques que moi, et moi... Je dois tout vous montrer et je dois tout vous dire pour ne pas qu'on me dise derrière ah t'as pas pointé ça t'as pas pointé ça t'as pas pointé ça et eh bien la petite jupette eh bien je trouve que le traitement de ponçage avant peinture et avant vernis eh bien laisse un peu à désirer on voit une certaine peau d'orange en dessous du vernis c'est pas super plat pas super lisse comme un cul de bébé comme on a l'habitude de voir par exemple sur le plastron, sur les jambes la jupette elle manque d'un léger ponçage avant peinture la couleur, elle est quand même très jaune et vous verrez que par rapport à Saga, justement, qui est sorti, qui était la première statue de phoque, on a une couleur tout de même différente dans l'armure du fait que ça n'a pas été simplement fait par la même usine. Je vous dis c'est propre, mais ça manque de détails et ça manque d'ombrage. La cape, alors la cape, elle est ultra légère. Pour moi, elle est totalement en PVC. Je ne la vois pas en résine du tout. Et si c'est de la résine, c'est du polystone hyper fin. Mais ça, personnellement, je vais vous dire que je m'en moque. Du moment que l'effet est très joli. Que la peinture lait, le blanc et les effets bleutés, c'est super propre également, rien à dire. Et l'intérieur, bleu avec le bleu plus foncé pour donner les ombrages du pli de la cape. Là-dessus, strictement rien à dire. Elle se plug ici derrière et elle était montée et elle tient assez bien. Une fois que vous avez mis la cape, vous pouvez ben, simplement enficher votre saga. C'est parti. La cape pose un tout petit peu sur le rocher derrière, c'est voulu, ça ne frotte pas, ça n'abîmera pas votre cape. On continue les bras. Ben, même chose les bras, au niveau de la peinture c'est propre également. Un tout petit grain visible également en dessous du vernis, donc un ponçage qui aurait dû pour moi être fait un petit peu plus fort. Et puis ben, cette main, toujours comme Mighty Gra nous avait dit sur Pegasus et sur d'autres, eh bien on a la main qui est fermée mais on a un petit jour au niveau du pouce. Bon ben ça c'est le design qui est voulu, c'est pas la première fois. Je pense que le 3D designer a son habitude de faire les doigts avec un petit jour au niveau de la main. J'ai peut-être même l'impression que les mains sont peut-être les mêmes sur tous les chevaliers et qu'il y a juste la couleur peut-être qui viendra changer pour cette main fermée. Peut-être, faudrait peut-être une fois que je m'y attelle. Euh, Cette main-là, elle se met là, l'autre main qui est levée vers le haut, comme ceci. Très jolie peinture, et puis là c'est la même chose, vous voyez, au niveau de ma petite peinture gold ici, orangée pour faire l'ombrage, je trouve que ce n'est pas super précis, ça s'étale un petit peu. Je vous dis, c'est perfectible. Hop, on continue. Les deux épaulettes épaulières, peu importe, vous le dites comme vous voulez, bah, elles sont jolies, ça manque également pour moi de petits traits noirs d'ombrage mais c'est plutôt propre. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. L'effet rangé voulu est joli. Ici devant aussi, pour les, petites, euh, les petits ombrages, ça match. Ça se plug. Il y a des détrompeurs. Vous pouvez pas vous planter. Hop, comme cela. Je vous dis, hein, quand je la regarde à 30 cm de distance, je vois pas les défauts dont je vous parle. quoi. Si je mets le nez dessus, forcément, je vais les voir. Mais je tiens quand même à tout vous dire. Le petit casque. Deux visages, les larmes. Moi, je les trouvais beaucoup, beaucoup trop épaisses sur le prototype. Au final, sur le produit final, ça passe. Plus fin, ça aurait peut-être cassé. Donc, je peux peut-être comprendre que ça a voulu être élargi un petit peu. Donc, le casque qui est en train de pleurer des larmes et les larmes qui coulent sur le sol. Ça va se pluguer sur le socle. Il y a deux pegs. La peinture est plutôt propre sur le casque. J'ai pas de défaut. C'est plus orangé ici sur le devant. Ça l'est plus également là sur le dessus. Sur le dessus des épaulettes, on voit une peinture beaucoup plus grise et beaucoup plus claire, ben ça va être surtout le reflet de la lumière qui fait illuminer les dessus des épaulettes, comme si la lumière tapait dessus. Donc c'est normal que ce soit plus gris, puis également la chevelure eh bien, de Saga qui est grise et qui reflète sur le casque. Donc cet effet euh, plus gris sur les épaules, sachez que c'est voulu par le peintre. On pose le petit casque, il y a un pegs, et la partie du casque qui est ici vient également s'emboîter dans la base. Alors, comment ça se met Oh, comme ceci, bon, ben ça s'emboîte super bien, il y a un petit aimant en plus. Donc rien à dire. La tête. La tête, je n'ai strictement rien à dire dessus. Elle est très belle. Les yeux rouges et vils de Saga, avec les pupilles bleues, les petites traits, les sourcils et la chevelure grise avec tout le shading noir. Trois épaisseurs de chevelure assemblées pour donner tout le volume et le dynamisme à cette dernière. Rien à dire. Franchement, la tête, elle est sublime. Vous verrez ici, si vous, lorsque vous allez assembler votre statue, vous avez une petite mèche qui est coupée, elle n'est pas cassée, c'est simplement la petite mèche qui vient s'emboîter dans l'encolure de l'armure. Du coup, c'est fait exprès, pas de crainte là-dessus. La tête, elle s'emboîte comme ceci. On a les cheveux qui vont donc voler au vent. Je la regarde. Ouais. Franchement, la pose, elle fait l'effet et je vous dis, hein, là, je suis à 30 cm, je vois plus tout ce dont je vous parle. L'armure est belle en elle-même. C'est une belle statue. C'est une belle statue. Qui va pas s'exposer forcément avec tout, parce que, comme je vais vous l'expliquer, c'est une plus un hors-série pour moi, parce qu'elle est incomplète, cette statue. Vous voyez bien qu'il n'y a pas, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez FOC, des têtes alternatives, des bras alternatifs, des positions alternatives, et même pas le petit temple. Donc, c'est vraiment une version add-on au premier saga sorti, ou une version one-shot, si vous voulez, euh, celui-là, tel si vous l'exposez avec vos douze chevaliers et que vous aimez exposer les temples et autres et que vous n'avez pas le premier saga, forcément, celle-ci va faire un petit peu, un petit peu vide. Ça, c'est certain. Moi, je ne vais pas l'exposer avec mes douze chevaliers puisque forcément, j'ai déjà le premier saga que je laisse dans ma lignée, surtout que moi, je l'ai mis en version Ghost. Celui-ci, je pense l'exposer avec le grand pop Fogg prévoit de faire le grand pop et les deux personnages ensemble iront très bien. Il y a forcément, comme d'habitude, la plaque avec le petit socle. La plaque est un petit peu différente également de ce qu'on a connu dans le passé puisqu'on a toujours la Pandora Box. Ça n'a pas de problème avec les Gémeaux. Par contre, sur l'arrière où on a l'habitude d'avoir l'horloge zodiacale, ici on a les deux visages et eh bien de Saga un petit peu comme on a en dessous du socle avec l'édition. Mon édition en moi n'en déplaise à certains et de nouveau la numéro une. Ça, vous saurez, je vous ai caché le numéro de la Choura, mais je pense que vous en êtes douté. Eh bien voilà, celle-ci répond donc à la question de beaucoup de personnes. Numéro 1 également sur la Evil Saga. Est-ce la même sur Choura rien n'est moins sûr le montage est terminé vous me direz dans les commentaires ce que vous, euh, vous en pensez de cette statue on va faire la conclusion mon avis personnel sur ce que je pense de cette statue et pour la conclusion on va mettre également la première statue de Fogg juste à côté que je puisse vous montrer un petit peu les nuances et les différences de couleurs euh, vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence entre les deux je prends Saga et on est parti pour la conclusion Et voilà, on est parti pour la conclusion. Les deux sont l'une à côté de l'autre et forcément, comme je vous dis moi à l'œil, là, je vois clairement une différence de qualité de peinture et de couleur. C'est pour ça qu'exposer les deux l'une à côté de l'autre, ça risque de clocher parce qu'elles n'ont pas la même couleur. Celle-ci, vous voyez, qu'elle est quand même beaucoup plus orangée. Moi, je le vois sur les épaules par rapport à celle-ci, au niveau de l'armure, au niveau des ombrages. Là, j'ai des traits noirs super bien prononcés pour donner, pour donner toute la beauté à l'armure dans l'intérieur de la jambe. Tout ce que je ne retrouve pas, et eh bien sur celle-ci de la même manière. On voit clairement que c'est deux usines différentes qui ont et c'est le cas de toute manière, puisque je voulais expliquer lors du commencement euh, du montage. Je dois être, à mon avis, super chiant et super pointilleux parce que je vous répète de nouveau que je n'ai vu aucune critique sur aucun groupe de cette statue. Vous êtes déjà super nombreux à l'avoir reçu. Donc, c'est moi qui suis beaucoup, beaucoup trop pointilleux qui met vraiment le nez partout et qui montre tout à nouveau, comme je vous dis, pour ne pas laisser passer des choses que l'on pourrait me reprocher. Vous me direz par contre, vous à la réception, après ce que j'ai pointé, est-ce que vous retrouvez les mêmes défauts? Ça n'enlèvera rien à votre statut, vous n'allez pas du coup ne plus l'aimer parce que je vous ai montré ceci et cela. Mais moi personnellement, au niveau de la visibilité sur la chaîne, ça me permet d'être toujours transparent comme je l'ai toujours été, peu importe les fabricants. À exposer ensemble, comme je vous ai dit, pour moi c'est pas une bonne chose, à exposer seul. Avec le grand pop, oui. Si forcément vous n'avez pas Saga premier du nom et que vous avez que Evil Saga, vous pouvez l'exposer facilement avec vos autres golds. Vous ne verrez pas spécialement de différence de couleur de peinture par rapport aux autres, puisque chaque chevalier d'or a une couleur différente à peu près d'armure. On a déjà vu que avait une couleur beaucoup plus orange, c'était le cas également pour Aiolia, etc., etc. Donc celle-ci, sans celle-là, avec les 12 golds, matchera. Parfaitement, à part qu'il vous manquera forcément le petit temple qu'on avait uniquement avec celle-ci. J'ai hâte de vous lire! Dans vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez la statue Vous l'avez déjà reçue Est-ce que vous avez quelques petits défauts, comme je viens de vous le dire, et vous les aviez pas vus Est-ce que ça ne vous empêche pas d'apprécier votre statue Et moi, personnellement, ça ne m'empêchera pas d'apprécier celle-ci et de l'exposer avec le grand pop lorsqu'il sortira. J'ai hâte de lire tous vos commentaires juste là en dessous. Que vous ayez la statue, que vous l'attendiez ou que vous ne l'ayez pas achetée, tout simplement, j'attends vos commentaires juste là en dessous. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Elle était assez simple, il n'y avait pas grand-chose. Les prochaines réceptions chez Foc, peut-être que ce sera soit Hilda de Polaris ou alors Milo du Scorpion. Je ne sais pas laquelle va être envoyée en premier pour que je puisse vous faire découvrir de nouveau en avant-première ces statues. Celle-ci, j'avais un petit peu de retard parce que j'ai beaucoup beaucoup de boulot et Mike a fait la vidéo avant moi, donc vous avez pu déjà l'admirer chez lui. Ça m'a permis également de voir, eh bien, ce que lui avait reçu par rapport à moi au niveau des petits défauts de la base dont Je vous ai parlé et eh bien euh, en début euh, de vidéo pour les prochaines réceptions. Je pense être de nouveau de toute manière le premier à vous proposer une vidéo comme Mike de qualité sur le produit. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications, justement afin de ne rien rater des prochaines réceptions. Focus et autres fabricants, Saint Seiya. à très bientôt, les amis. Place au visuel 360 degrés. C'est tout pour Evil Saga, c'est tout pour moi à bientôt pour une prochaine vidéo